Non, t'as vu qui? Tu sais pas qui j'ai vu? Oh non, t'as vu qui? Kimberley, mec. Alors, fin de là, j'ai vu Kimberley, mec. Kimberley, Kimberley, son gros cul, là. Ah, qui, quand tu tapes, ça fait... Ouais, voilà, elle était en train de patinager, là, comme ça. Et tu sais pas qui j'ai vu aussi, à côté? Non, t'as vu qui? François, mec. François, avec ses patins, là, comme ça, tap, tap, il faisait le loup, François, là. François, le petit, là? Oui, François, le petit, celui qui est plus large que le grand, là. François, le petit, quoi, c'est pas compliqué. Ah ouais, je vois. Oh, vas-y, ma souris, je suis arrivé, tu sais quoi, je suis arrivé, j'ai sprinté, là, Usain Bolt, croisé Brian Joubert, t'as vu? J'ai fait un triple Axel, triple Mathieu, triple Théo, triple tout ça. J'ai fait tous les prénoms, sa mère. Attends, un beau coup, c'est tout, franchement. Ouais, ils ont fermé, non? Respect, frère, respect. Leur Bolt, là. Ouais, j'avoue, Favre. Toi, t'as fait quoi, toi? Moi, tu vois, j'étais tranquille, posé sur le divan, 2-7. Et là, tu vois, ouais, je me suis dit, si j'allais faire un petit tour à Intermarché. 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 Ouais. Et là, tu sais, j'arrive. J'arrive à une bière, tu vois, tranquille, posé. Ouais, ouais, normal. Alors, je me dis, je prends une petite binouze. Parce que la binouze, bah, c'est de la binouze. Et donc, je prends une grosse binouze, tu vois. Ouais. Genre, comme le petit, là. Comme François, comme le petit François, plus large que le grand. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, je vois. Et genre, tu vois, je l'ouvre. Et je bois. T'as val? Ouais, je val. Et je bois. Genre, prends une deuxième. Je bois. Et frère, je te jure, sur le Coran de Jésus, de la Mecque, ouais, j'ai une descente que j'aimerais pas remonter à vélo, frère. En vélo, frère. Et en 50, tu bah, en 50, ça dépend, parce que j'ai des petites jambes chromées, mais comme j'avais plus de chrome, bah, j'ai mis du papier aluminium. C'est un peu. Ah ouais, putain, sa merde, t'aurais dû mettre du cellophane sur le moteur, je te jure, ça fait un. C'est ce que j'ai fait, frère, mais ça a cramé. Ah ouais, tu m'étonnes. Attends, parce que là, j'ai un appel. Attends. Ouais, allô? T'es où, là? Je suis avec mon pote. Tu te rappelles quelle journée? On est mardi, vendredi, dimanche. On est dimanche? Oui, je te rappelle qu'on avait rendez-vous au Flunch, parce qu'on avait une soirée country. Et pour nous, un mois. Allô? Putain, vas-y, alors raccroche. C'était qui? Dans la merde! C'était qui? C'était ma meuf! Ça fait un mois que je suis avec! Il y avait repas à volonté chez Flunch avec soirée country derrière, j'ai tout oublié! Mais t'avais pris tes Santiago? Elle va me défoncer! Est-ce que tu avais tes Santiago? J'avais tout prévu, la jument et tout le bordel, putain! Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions, traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux! Tous les jours, ma meuf prend la tête avec ce genre de dicton, je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout! Pause! Ma meuf m'a dit, je peux plus supporter ton pote, si tu continues de le voir, tu finis tout seul! J'ai pas confiance! Qui dirige le gueule, à toi qui pars. Pour un côté de la mer, doit attirer l'attention, le gars c'est une longueur. C'est un pervers, il a toujours mes copines. Il leur a dit des trucs dégueux, maintenant elles ont peur. Ma meuf m'a dit, si vous fusionnez, ça pourrait faire un neurone. J'en ai marre, vos blagues me saoulent. Tous êtes un coup. Je me demande si c'est Alexis ou bien si ça rend jaloux quand tu mates le boule. J'en ai ras-le-bol. Tu lui envoies des textos, Guillaume, c'est la dernière fois qu'on dîne en tête à tête. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on traîne ensemble, hein? Me gratter les couilles, sortir avec une casquette. Sur le câble! Vous apprenez les paroles, sa mère. On n'est vraiment rien sans elle. Mais tu chantes pas, toi, parce que t'aimes pas, normalement. Sans elle, qu'on soit noir. Mais t'es sérieux, sans fou. Arrête-toi, s'il te plaît. Zéro. Non, mais c'est de la merde. S'il te plaît, change. Ok, je vois. Bah non, enfin, c'est pas si mal que ça, parce que, enfin. En fait, il y a Gabriel et Thomas, ils vont mettre un enfant au monde. Non, mais même, mec, tu peux pas changer. Genre, sur la douche, il y a les anges, mec. Les anges. Mais c'est de la merde.
Mais mec, il y a Steven et Jennifer qui vont se pécho. Non. C'est trop bien. En plus, on fout ce mais mec, les autres, c'est... mec. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est une saison, mais c'est exceptionnel. C'est, ah ouais, c'est dans un lieu où ils ont jamais été, mec. Ah, je veux bien te croire, alors c'est quoi? C'est l'Himalaya? C'est l'Inde? C'est l'Australie? Non, mec, encore mieux. Les anges à l'école. Ouais! C'est hip-hop, on en sorte là. Franchement, on se fait chier. Ouais, enfin. C'est chiant, il pleut et tout. Enfin, bon, vas-y. Allez, viens. Regarde comme il fait beau. Dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud. Dehors, faut sortir ça et rire. Je m'en bats les couilles. Ah bah, tu parles à facile d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre, mais j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, mais ça c'est la santé. Au cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. Manquer, rappelle-moi jamais les rappeler. Aucun objectif, je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais sur son, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pénis sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens de tes exos, je finis ma boîte de l'exo. Je vis dans 10 mètres carrés, carrelage couvert de crabe. Si je prends le balai, c'est juste pour changer la poussière de place. Vas-y, mets la 5 à Milly les Zouzous. Avec Mireille Labeille, Cyril Lignac. Ah, je crois qu'il y a. Ah, c'est pas Evelyne Bachelot là juste ici. C'est celui avec Patrick Poivre d'Arvor à côté. Ah, ouais, ouais, je crois aussi. Ouais. Ouais. T'as vu, il y a. Je crois qu'il sait. Ma meuf m'a dit, ton pote c'est vraiment un beau. Enfin, je crois qu'il croise ma mère. J'ai dit, je regardais d'abord. Ah oui, c'est vrai. Ah mais si, je l'ai reconnu en fait. C'est qui? On dirait un peu Mireille Dumas avec de la moustache et quatre dents au moins. Ah ouais, croisé avec Mireille Mathieu qui s'est pendue aux oreilles de Francis Lalanne. Ah ouais. Eh, mais ce serait pas Michel Platini? Je sais pas, mais là-bas il y a Vincent qui nous regarde. Je crois aussi, ouais. Ouais. Ma meuf m'a dit, ton pote est vraiment un beau. Enfin, chaque fois qu'il croise ma mère, il l'appelle mademoiselle. Il change tout le temps. Le problème c'est qu'il est nul, mais il est persuadé d'avoir la voix de Pharrell. Because I'm happy. C'est dégueulasse. Non, mais. Pharrell Williams, c'était. C'est qu'un klepto. La dernière fois que je suis entré, il avait les deux mains plongées dans mon sac Chanel. Il tourne jamais. Quand vous tournez tous les deux, dis-moi ce qui m'empêche de croire que tu fais pas pareil. Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote. Ah, je vais pas vite changer d'amis parce qu'il me tire vers le bas. Change de pote, oh, je pote, oh, je pote, oh, pote, oh, pote, oh, pote, oh, pote, oh, nulle part si tu traînes avec ce type là. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Tous les jours, ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton. Je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Tous les jours, ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton. Je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. Bon. J'ai répondu. Qu'est-ce que si t'es pas contente? Tu sais comment ça va finir si t'en demandes de trop? Pour qui tu te prends? Toutes tes copines sont hachées. Même toi, tu les aimes pas vraiment, tu parles dans leur dos. Mais t'as pas dû lui dire ça, hein? En fait, j'ai dit... Bébé, tu peux pas me quitter, tu sais. Je ferai toujours passer notre amour avant lui. T'es ma moitié, plus jamais je te partage. Les poupées ce soir, c'est la dernière fois, je te le garantis. Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote. Ma meuf m'a dit de changer d'amis parce qu'il me tire vers le bas. Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote, change de pote. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des bouillots, t'as des chances d'attraper des poux. Tous les jours, ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton. Je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. Ah, salut toi. Ça va, Louise 16? Non, je casse parce que là, il y a ma meuf et mon pote, ils m'énervent, je te viens. Ils sont chauds pour Paris, ils me suivent partout. Je devais aller une soirée contre lui, dans la boîte de Boulogne.
Hey, mais t'avais dit qu'on irait chez l'esthéticienne, c'est depuis les sourcils. Et qu'après, on irait au restaurant manger un petit plat de crevettes dans un petit peu de bongo à la coriandre avec un petit peu de curry. Tu rajoutes de la lasagne, un soupçon d'escalope de. J'en profite pour signaler que je vends une Peugeot 206 en 3000 km. Le plat est fait, contrôle technique, ok. Mais mon pote. Je ne vois qu'elle ne reste que nous deux. Je ne vois qu'il ne reste que nous trois. Toi, moi. Et ma bite.